Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau, un fleuve qui a été mon amour d'enfance. Mes premiers pas de pêche à la carpe au bord de l'eau, dans un fleuve qui n'est pas facile à pêcher, avec pas mal d'obstacles, des troncs. Et là, on vient de s'installer avec Castar pour 3-4 jours sur un arrondi de berge, en fait, qui nous offre quand même aussi pas mal d'ouverture au niveau des spots. Castar, il va pêcher à gauche de ce côté-là, et moi, je vais pêcher à droite, ici. Et donc voilà, au menu de cette petite vidéo, du coup, du bivouac, de la pêche bien sûr, et puis du fun, comme on fait d'habitude, quelques petites inventions, quelques petites fabrications, on va improviser, on n'a pas de programme, c'est comme ça, totale liberté sur ces 4 jours qui viennent, let's go, c'est parti. Qu'est-ce que tu fous? Je regarde la télé. Qu'est-ce que tu regardes? C'est la télé Underwater. C'est la télé Underwater? Ouais. Waouh, putain! Franchement, Castar, il a investi dans un petit jouet. Ça va occuper nos journées en attendant les touches. C'est magnifique. Petite caméra Underwater avec l'écran. Bon, là, on voit pas grand-chose à la cam, mais nous, on y voit bien. Tu vois le maïs, tu vois les gardons qui passent, tu vois l'amorçage et tout. Franchement, c'est énorme. Ça va être une belle valeur ajoutée aux petites vidéos de notre ami Castar Fishing. Je vous invite à aller voir les gars, franchement ça tue. Bon bah du coup, pendant que Castar il s'amuse comme un gamin avec son nouveau jouet, là-bas là sur sa chaise en train de regarder la télé et essayer de reposer son montage pile devant la cam, truc impossible. Comme vous voyez, petite zone d'herbier là, avec le tombant de vase assez propre là, galé un petit peu, caillouteux. Après avoir sondé un petit peu cette zone d'herbier là, ça nous fait un peu pareil que là-bas, hein, près de la tente. Zone de haut fond, un peu mou, donc avec des herbiers, et puis hop, descente de galets légère, quoi, qui tombe vers le lit de la rivière qui est en face. Donc du coup, je pense que là, je vais vraiment miser sur ce bord d'herbier, là. Bon, allez, à juger pour cette première nuit. Pouf! Voilà, c'est propre partout, ici. C'est du galet, j'ai pas trop de soucis à me faire. Pas loin de l'herbier, c'est propre. Franchement, bonne combinaison, pas trop compliqué à poser, finalement. Des fois... tu galères à chercher pendant 10 ans comment tu vas poser tes cannes. Et là, franchement, ça vient naturellement. C'est facile. De ma tante, quand on voit la berge d'en face, ça donne envie. Tu te dis putain, tu peux poser des montages un peu partout. Et en fait, là, j'ai un tronc en parallèle de la berge, à 4-5 mètres de la berge, tout le long ici. Il y en a d'autres là-bas. Donc en fait, toute la berge, je peux pas l'exploiter. Là, je peux pas la pêcher. Je pourrais en mettre un ici. Là, on a la cime de l'arbre qui est sous l'eau. On a le début d'un deuxième. Je pourrais en mettre un ici, mais ça serait quand même vachement risqué. Bon, mais du coup, sur cette bordure-là, bah, il y aura pas de canne. Franchement, c'est trop risqué de poser des cannes de ce côté-là. Vraiment, on va rester sur le milieu du plan d'eau, quoi. Ça m'emmerde de pêcher comme ça, mais c'est pas 36 000 solutions. Ça claque. Vous voyez le maïs là-bas? Celui-là. Hop, c'est son montage. Là, on a le plomb. Là, on a l'amorçage. Et là, on a tous les poissons qui gravitent autour. Franchement, pour passer son temps au bord de la rivière, manger un apéro servi sur un plateau,
buvant une petite bière. Tranquillou. Oh, une perche française. Ah ouais, c'était une perche française, ouais. Bah franchement, c'est cool. Fouf. Ouah, c'est bon ça. Oh, c'est un truc de ouf. Un cheval camargué, mon gars. Oh, tu me fais pas un sale trip, hein, mon pote. Hein. Ouah, wow, s'il va dans l'eau avec les cannes, mon gars, ça va être le bordel. C'est énorme. Bon, bah, on le savait pas, les gars. Bon, on a des chevaux genre, à côté de nous. Des chevaux camargués. Ça va mieux, mon gros. Tiens. Ok, on va pas le forcer. Putain, j'ai vu une licorne, ça porte bonheur. Bon, ben voilà, comme vous venez de voir, on a calé les cannes. Castar, je l'ai laissé s'amuser avec son nouveau petit jouet. Et fidèle à la tradition, on va faire un petit coup du soir au carnassier. Bon, ben ce petit coup du soir, ben, c'est l'occasion de découvrir le spot, pour moi, pour vous aussi. Et puis ça me donne aussi l'occasion de tester des petits leurres que j'ai achetés. Pour ceux qui suivent la vidéo silure, le Fish Hunter que j'utilise depuis longtemps pour le silure en 13 cm, en petite taille, et franchement, ça nage vraiment super bien. Tout doucement, il y a un petit peu de rolling, la queue, elle remue vraiment super bien. Que ce soit en vertical, en linéaire, je pense vraiment que ça, c'est un leurre vraiment efficace. Je sais qu'avec des petites tailles comme ça pour le black bass, c'est vraiment l'arme fatale, quoi. Il y a de la carpe dans le secteur, ça s'alimente juste là. Je sais pas si vous voyez la fouille. Oh, le silure. Oh, le silure. Waouh. Je sais pas si vous l'avez vu comme moi. Ça fait bizarre de voir un silure monter. En fait, je croyais que c'était une carpe qui fouillait, mais je pense que c'était un silure en vrai. Qui bouffait dans le fond, quoi. Comme quoi, ça arrive, hein. Oh putain. Oh putain. Mais comment il arrive à aller aussi loin? Je le disais juste avant, ça serait impossible que je le sorte. Et encore, il est pas gros. C'est pour ça que je l'ai tenté, parce que je l'ai vu pas trop gros, mais... Ah, là, il est rentré. Bon, bah quoi qu'il en soit, c'était quand même sympathique de ferrer ce poisson. C'est dommage, j'aurais pas dû le tenter. Franchement... un petit peu d'excès de gourmandise, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Des fois ils partent à l'opposé des troncs, parce que contrairement à la carpe, ils n'ont pas ce réflexe de rentrer directement dans les troncs, je trouve, les silures. Mais là, il a eu ce réflexe là, il est bien rentré dedans, il a réussi à me prendre, je sais pas moi, 5 mètres de fil dans les troncs, je sais même pas comment il a fait. Et malgré que ce soit un petit poisson, j'étais pas monté pour, donc impossible de le sortir. En plus en bateau, c'est pas évident. Bon bah ça y est, le deuxième jour est arrivé, la tête dans le cul. Par contre j'ai bien dormi, le silence des détecteurs a été absolu pour ma part. Castar qui se réveille et qui se rend compte qu'il a une canne qui est tankée, qui a déroulé, et on ne sait pas pourquoi, on n'a pas entendu le départ. Et il est vraiment dégoûté. Déjà la première chose c'est qu'il est dégoûté pour le fish. Et puis bah voilà, manqué, il y a eu deux départs, c'est lui qui fait les deux départs, une casse. Et puis un poisson tanké, quoi. Donc 22 casses à l'arrivée, quoi. En tout cas, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Si on va bouger d'endroit, si on va rester là. Voilà. On va bien voir. On va discuter un petit peu, on va prendre les décisions. Bon, ben de nouveau, petit tour d'excursion. En amont du plan d'eau, hier, c'était en aval du plan d'eau. Bon, je crois qu'on a trouvé un secteur intéressant là. Après ce tronc ici, en venant vers là, on a un au fond, là où on vient de voir ce poisson. Là, j'ai une fouille.
J'ai vu au moins 4 ou 5 poissons dans le secteur. Il y a un petit poste qui est ici. On arrive sur la fin du plan d'eau. Parce que là, on a une petite île. Alors, soit il y a un bras mort, soit le fleuve se divise en deux. Et après, de mémoire, on arrive vraiment dans des zones où il y a très peu d'eau avec du courant, donc qui sont plus vraiment pêchables pour la pêche de la carpe. Donc l'idée, c'est pourquoi pas déménager sur ce secteur-là. Il y a très peu d'eau, mais il y a vraiment du poisson en activité, hein, ici. C'est sûr qu'il y a pas mal de bouffe qui est ramenée par les courants. Quand il y a un petit peu de pluie ou autre, et tous les premiers éléments, ils viennent se déposer sur les premières parties du plan d'eau, donc ici. Et donc il y a peut-être un peu plus de nourriture naturelle. Là, c'est pareil, hein, ça se voit pas à la caméra, mais c'est hyper trouble de partout. Là, il y a beaucoup de poissons en alimentation. Hein. Donc là, zone chalot, je dirais. Mais franchement, avec un beau potentiel. Hein. Encore une fouille ici. Je pense hein, que c'est une fouille, hein. Ça a l'air tout trouble. Ouais, c'est ça. Là, il y a des fouilles partout. Partout, 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 partout. Il y a un poisson là. Pas un gros poisson, mais un poisson quand même. Elle vient nous rendre visite. Il y en a une autre là-bas. Ah, des belles communes. Les voilà, les titines. Black and white. Vous voyez pas de racisme chez les poissons. Fait que les humains qui sont cons, qui arrivent à se trouver des différences. Pour une différence de couleur, une différence de manière de penser, de croyance. Finalement, on se demande qui c'est les plus intelligents. Des chevennes, des carpes un peu partout. Oh, une petite perche française aussi. Voilà, les carpes qui viennent voir ce que c'est. Pas des monstres, hein, mais toujours sympa à voir. Belle commune. De retour sur le poste où on a passé la nuit. Bon, ben, ce poste ne sera plus qu'un souvenir dans quelques instants, je pense, parce qu'on va bouger de là. Bon, Castard, il m'a donné un défi, c'est d'allumer un feu avec ça. Un allume-feu à la Bear Grylls. Je me tiens en mode pompe contraction, je vais pas tenir 10 ans comme ça. J'ai passé 2 heures à créer une petite amorce qui est là. Et franchement, je vais être optimiste, j'ai jamais allumé un feu avec ça. Mais je vais me dire que j'ai 2 minutes pour essayer, on va dire. Du coup, nouvel essai avec de l'herbe sèche que j'ai trouvé vraiment au soleil, parce que là on est à l'ombre, même si on trouve des éléments secs, c'est quand même un petit peu humide. J'ai quand même réussi à déclencher une flamme tout à l'heure. Et bah on va réessayer avec ça, on va voir ce que ça donne, mais c'est pas évident quand même, c'est pas aussi simple que ce que je le pensais. Faut avoir le coup, je pense, hein, tout simplement. Troisième tentative. Merde.
bon ou c'est pas bon? Ça y est. Ça y est, c'est démarré. Franchement, Mycorn, c'est une tafiole à côté de moi, je te dis. Là, il serait là, il me dirait. Le plus important, Julien, c'est d'être un beau survivaliste. Tu as réussi ce défi. Maintenant, tu vas partir faire le pôle Nord avec moi. Oh putain. Vas-y, c'est parti, Mike. On y va. When you want. Maintenant, faut pas, il s'agit de pas le laisser s'éteindre. Bon, du coup, le prochain, c'est toi qui l'allume avec ça. Bon, on vient de manger un petit tacos bien sympathique préparé par notre cher ami cuistot Starka, ici présent. On va plier les affaires, on va aller rejoindre le spot que je suis allé voir tout à l'heure. On va essayer de trouver le moyen de pêcher proprement là-bas. Dans la nature la plus profonde et sauvage, dans la savane, nous pouvons trouver différentes espèces d'animaux, mais aussi certains animaux bizarres. Barre-toi. Mais qu'est-ce que tu fous derrière ton bateau? Je me lave le... Putain, mais c'est devenu une tradition, c'est pas possible. Ah bah, je me lave le... Oh, t'es dégueulasse. Allez, ça va bouge, t'es pas race, gêné là. De passer devant des milliers de personnes comme ça en je train de... Je m'en bats les couilles, j'assume. Oh, moi, je t'utilise pas de PQ, moi. Contre et alors, la nature, là. Contre la nature. Ah, tu vois, là, je me sens un homme tout neuf. Wouah, franchement, tu vas en dégoûter plus d'un. Tu vas perdre au moins 2000 subs, là. Ah ouais, ils vont tous venir chez WAM, ils vont dire, lui, respecte l'environnement. Bon, ben comme d'habitude, on laisse propre ce petit poste sur lequel on a passé un peu moins de 24 heures. Au final, 4 casses sur ce secteur, même en bridant les poissons. La dernière touche que je fais, enfin la seule touche que j'aurais fait ici, moi. Petit piqué avec la corde sur le moulinet, frein serré à bloc. Le poisson à 3 mètres des troncs et le poisson il a réussi à sauter dans les troncs, je sais même pas par quelle magie. Donc là du coup on va aller sur ce spot que j'ai repéré ce matin avec les poissons qui s'alimentaient sur le haut du plan d'eau. Je pense qu'il y a vraiment une grosse majorité des poissons du plan d'eau qui s'alimentent sur la partie haute. Et encore une fois, bah, il va y avoir par contre une autre complexité, c'est déjà le poste qui est beaucoup moins accueillant, enfin les postes potentiels qui sont moins accueillants. Et aussi la pêche, il va falloir être beaucoup plus discret parce que là-haut quasiment pas de fond, des poissons à vue. Et les poissons sont très malins ici, donc il va falloir réussir à être discret et à les leurrer. Allez, eh ben c'est parti, go! C'est de la merde. Hein. Ouais, c'est pas évident. C'est vraiment le bordel. Et on pêche une zone où il y a entre 50 cm et 1 m 20 d'eau. Quoi. Et c'est là qu'il y avait les poissons, donc il n'y a pas trop de troncs en plus. On pourra sortir les fiches, je pense. Ça reste la meilleure solution qu'on ait trouvée sur le plan d'eau qui est vachement court. On peut pas partir à l'aventure 2 km en haut, 2 km en bas. Entre deux piscières, il y a quoi? Il n'y a même pas un kilomètre. Et voilà, bon ben voilà, on a choisi ce spot. Maintenant, jusqu'à la fin de la session, je pense qu'on sera ici. Bon ben, on va poser la première canne. Ça pue. Sérieux ? Ouais, j'ai des troncs partout. Je suis obligé de poser au milieu, donc je pose au milieu de nulle part quoi. Non. Aux endroits où jamais j'aurais posé un montage normalement. Juste pour avoir une chance de sortir un poisson. Et encore. Hein. Je te dis, j'ai des troncs à gauche tout le long. Là. Ta-ta-ta-ta-ta. En face. Et j'ai la canomie. Donc soit elle me prend à droite, soit elle me prend à gauche. Dans les deux cas, je l'ai dans le baba, je pense. Voilà, deuxième canne, même configuration. Pas trop le choix. Il y a un tronc là-bas.
Donc je pêche à 2 mètres devant. Oh merde! Des crocs? Mais non, mais c'est pas possible ça! Bon, du coup, cette canne de droite qu'on a déposée, sur laquelle j'avais bridé vraiment le frein, quoi. Et franchement, 10 minutes qu'elle est posée, on était là-haut avec Castar. En se disant, franchement, départ, peut-être dans la nuit, tout, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 1,50 m d'eau, on vient de déposer en bateau, on a foutu le bordel. Et bip, 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 et paf, canne complètement tordue, je prends en main, je ferme, décrocher, bam! Du coup, je ne vais même pas me déplacer en bateau. Je vais aller faire directement un petit sac soluble avec les tigers dedans. On va balancer d'ici, je sais que la zone est propre. Et puis voilà, si les poissons ils sont sur le coup, peut-être qu'on peut enchaîner les départs comme ça, on va voir. Maintenant, il faudrait les sortir, c'est toujours le même dilemme ici. Hein. Ouais, c'est bien ça. Wow, bridé mon gars. Je ne cherche même pas à comprendre. Par contre, on va me faire le scénario. Ouais, c'est un pin. Voilà, elle part à gauche, j'en suis sûr. Wow, elle part à gauche, mais elle y va. Hein. Oh, le bordel! Oh putain! Du troyage, mon gars. Full bordel! Je vois pas du tout le fiche. Hop! Oh! Oh, je m'attendais à plus petit, c'est joli en fait. Premier poisson au sec, oh, c'est la galère les mecs. Hein. Des casses, des décroches comme jamais. C'est complètement fou. Poisson bridé de A à Z. Super énergique. On est dégoûté, on a presque envie de rentrer à la maison. Finalement, il y a ce fiche qui vient nous consoler quand même. Qui, j'espère, marque un tournant dans cette partie de pêche. En 2 heures de pêche, on fait 3 départs. 4 départs quatre avec départs. Ça. Merci, ma belle. M'a fait kiffer. Merci, ma belle. Putain, t'as été calme pour la séance photo. C'était... Enfin, la séance vidéo. Et une vraie star. Franchement, une vraie professionnelle. Merci, ma belle. Franchement, son nom à elle, c'est Espoir. Ça nous redonne de l'espoir, quand même. Bien joué, signoré. Yes, cyber. Cyber Corto. Bon, du coup, c'est pas parce qu'on est à la pêche, qu'on est dans un poste qui est pas accueillant, qu'on peut pas faire de la gastronomie 5 étoiles. Du coup, petite préparation avec des steaks 100% pur bœuf, bonne qualité. Des cèpes qui ont mijoté dans du vin pendant une bonne partie de l'après-midi. Un petit bloc de foie gras. L'idée, c'est de faire des burgers 5 étoiles au bord de l'eau. Franchement, comme on dit, on n'a qu'une nuit, il faut se faire kiffer. Et donc, ce que je vais faire, au lieu de mettre un peu de foie gras sur le steak, dans le truc, avec les champignons, c'est que je vais faire un genre de steak haché, où je vais mélanger la viande hachée avec le vin, avec les cèpes, et le foie gras. Donc, préparer des steaks de la taille du burger, donc de la taille des pains qui sont ici. Et puis voilà, on va faire cuire ça sur le grill, après un petit peu de mâche et une tranche de comté par-dessus, un petit peu de sauce béarnaise, et je pense que ça va vraiment faire le taf. Donc voilà, donc je vais mélanger tout ça, je vous montre le résultat fini quand j'ai refait 4 steaks avec tout ça. C'est parti. Bon, bah après pas mal de travail, franchement, c'est pas évident de faire de la bouffe au bord de l'eau. On a nos 4 steaks poivrés à souhait, foie gras, cèpe. Voilà. Ensuite, on a bah, simplement le reste, c'est pas si compliqué. Hein. Des bons petits pains burgers avec grosse tranche de comté par-dessus. Et dessous, le pain donc, qui va venir par-dessus, bah, comme je disais, sauce béarnaise et la petite mâche par-dessus. Je pense que ça va être miam miam, franchement. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air pas mauvais du tout, ça. Je pense que ça va cartonner. Bon, je pense que c'est la dernière fois que je m'aventurais dans un truc gastronomique comme ça à la pêche, mais bon, le résultat, il est là, j'y ai passé 2 heures, quoi. Le petit steak bien cuit dessous, la petite mâche, le comté fondu dessous. Regarde le steak comme il est fondant avec le foie gras et les petits... Et ça, ça va fondre dans la bouche, mon gars. Il y en a 2 chacun. Franchement, c'est des grosses bouchées quand même. Je pense faire manger ce soir à Castar le meilleur burger de sa life. On va voir ça. En mode à la pêche. Bon, hier soir avec Castar, il a fallu qu'on prenne une décision. Et on a tout simplement pris la décision de ne pas pêcher la nuit. Et
Et du coup, on n'a pas pêché la nuit. Par contre, Castard, il est parti avec le bateau. Il a amorcé un peu partout sur le haut fond qu'on voit ici, là, sur lequel on a 50 cm d'eau. Sur ma zone à moi, où on a un peu plus d'eau de ce côté-là, un petit peu partout, mais très très large, grosse quantité, franchement. Et ce matin, enfin à 6h, là, presque au lever du jour, agréablement surpris de voir des taches sombres fouillées de partout. Donc je pense que ça va marquer un tournant dans cette session, je l'espère en tout cas. Il y a du poisson partout qui s'alimente, donc on va essayer de vraiment pêcher en mode hyper discret, encore une fois. Et une canne chacun, pêcher pas trop à droite, pas trop à gauche, vraiment face à nous, et un max de sécurité pour sortir du poisson en toute discrétion, et peut-être pouvoir enchaîner les touches, et à force peut-être même du beau poisson. Après, elle va me faire le tronc, cette coquine. C'est bon, ça. Voilà. Ah, il y a une racine là-bas, je m'en rappelle. Hein. Eh ouais. Coquine. Allez, troisième poisson pour Julien Cineré. Exactamente. Là, les poissons, ils sont sur le coup. Ça fouille juste devant, du coup, là où on a amorcé. Bon, par contre, délire, c'est toujours pareil. Le poisson, il essaie de partir vers là-bas. Et qu'il voit qu'il peut pas, hop, il vient sur la souche qui est là. Du coup, dépasser ce poids que je suis en train de sortir, là, je sais pas combien ça fait, je dois faire un gros 8 kg, je pense. Ça sera compliqué, parce que là, faut vraiment l'hybrider, c'est pas évident. Balance ton fiche. Balance ton fiche. Ce matin, on collectionne les fiches, même gabarit à peu près que celle d'hier soir. Et voilà, donc on va pas tarder, on va la relâcher. Mais il n'y a pas trop de gros poissons qui rentrent dans l'amorçage, j'ai l'impression. Oh, il y a un beau fiche là-haut. Mais gros, tu la traques comme jamais. Oh. Ah oui, monsieur. Waouh, les gars. Ce qui met. Oh, on pêche, on jette là. Il y a 60 cm de fond. Oh, ce miroir! Waouh! Oh, elle fait plaisir. Oh là là, cette Mimi, elle est trop belle. Ouais. Elle est Mimi, la Mimi. Une Mimi tarte aux pommes. Ah là, elle fait plaisir. Bon, ben voilà, petit magret de canard. Franchement, j'allais prendre le dessert. Je croyais que mon dessert, ça serait une petite crème au citron, un petit tiramisu. Finalement, ce sera une petite miroir de 14,5 kg à peu près, qui fait bien plaisir. J'aurais jamais cru qu'on réussira à sortir un poisson comme ça ici. C'est dingue, franchement, c'est dingue. La session qui se transforme un petit peu, finalement. Eh, fais-nous ça bien. Oh putain, voilà, super, là, t'as géré. Elle est repartie de ouf. Bien joué, gros. C'est cool. Autant de galères pour arriver à faire ce poisson, ça fait plaisir. Bon ben voilà, c'est comme ça que se finit cette petite session de 48 heures. Elle nous aura appris pas mal de choses, à savoir est-ce qu'on peut prendre du poisson, ça c'est la première question. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de confort, ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est est-ce qu'on peut sortir les poissons en toute sécurité pour les poissons. Et là, c'était pas forcément le cas sur le premier poste. Sur le deuxième poste, on a fait quelques décroches, une casse ou deux. Mais voilà, on aura quand même réussi à changer la pêche, donc ça c'est cool. Au final, ce qui aura fonctionné, c'était de pêcher juste devant nous, d'avoir amorcé un petit peu dans la nuit, de ne pas avoir pêché la nuit, d'avoir laissé reposer la zone, et puis à chaque fois de ramorcer un petit peu à l'appel les tigers et de refaire un rappel, et on avait des touches de suite après à chaque fois, donc c'était ce qui fonctionnait cette fois-ci. Un trip bien loin des derniers trips qu'on a tapés, que ce soit Jurassic Carp et d'autres vidéos, mais voilà, c'est une session un petit peu particulière, et on a souhaité vous la faire partager. Je vous dis à la prochaine, peace, à bientôt.